Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, coloriage, vous allez dire, ben oui, mais on n'a pas vu la fin du champignon. Non, vous l'aurez demain. Vous aurez la fin du champignon demain. J'ai voulu mettre un autre coloriage entre deux, voilà. Ce coloriage, alors, comment dire? On m'a mis au défi, sans trop m'y mettre, mais on m'a mis en commentaire, ce serait bien que tu fasses, donc moi j'appelle ça un défi. Et la personne qui m'a fait ce commentaire, Ludovic. Oui, c'est toi Ludovic. Tu te rappelles de ton commentaire pour la saraquée, où il me disait ce serait pas mal de faire une saraquée en sépia. Donc je t'avais répondu, je relève le défi. Voilà. Eh bien, défi relevé. Voilà, je l'ai fait aujourd'hui. J'ai adoré la faire. Donc elle est faite en sépia. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est le sépia c'est un souvent c'est dans la photographie qu'on parle de sépia. C'est je cherche mes mots. C'est le de vieillir une photo. Voilà, par avec un logiciel, tout ça, on vieillit la photo. On fait comme si c'était une photo ancienne, dans les tons marron, voilà. Et donc, moi, j'ai fait mon coloriage comme ça, en sépia. Voilà. Donc, j'ai pas fait qu'un logiciel, hein, je l'ai fait à la main avec mes petits crayons. Alors, j'ai fait utiliser pour ça les Prismacolor. J'ai plusieurs combos pour faire les sépias, mais je trouvais que les Prismacolor, c'est ceux qui iraient le mieux, je trouve, pour faire ça. Bon, moi, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Et alors, j'avais demandé à Chouchou, à son avis, est-ce que je fais un fond? Lui, il me dit, bon, moi, je voulais faire un fond. Lui, il voulait pas. Il me disait, non, laisse comme ça, laisse en blanc. Donc, j'ai fait un compromis. Comme il y a autour de ma saraquée, il y avait un cadre. Eh ben, j'ai fait un fond à l'extérieur du cadre. Comme ça, autour de la saraquée, il n'y a pas de fond. Mais en extérieur, il y a un fond. Donc, mais bon. Donc, voilà. Donc, j'ai relevé le défi. Bon, j'ai mis 1h40, 1h45 pour le faire, à peu près. Donc, ça a été. J'ai pas eu de grandes difficultés pour le faire. Hein. C'est venu les couleurs. Bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. J'utilise 7 couleurs uniquement pour le faire. Normalement, il y en a 8, mais je n'ai pas utilisé le blanc, puisque de toute façon, j'étais sur un papier blanc, donc je n'avais pas besoin d'utiliser le blanc. Donc, j'ai utilisé 7 couleurs pour le faire. Comme d'habitude, je vais vous mettre la liste des crayons que j'utilise pour le faire, et puis vous verrez les petites étiquettes au fur et à mesure dans la vidéo. D'ailleurs, vous avez remarqué depuis quelques jours que j'ai changé les étiquettes. Maintenant, ce sont des petites étiquettes en carton perforé avec le petit rond où il y a la couleur du crayon et la référence du crayon. Voilà, c'est plus facile pour moi. J'use moins de papier parce que je suis toujours avec mes post-it, avec mes petits bouts de papier que je découpais. J'en perdais la moitié, donc je devais les refaire. Là, au moins, ils sont sur un anneau. Quand j'en ai besoin, je sors les étiquettes que j'ai besoin. Et puis, voilà. Donc, voilà. Alors, Ludovic, tu me diras si j'ai bien relevé mon défi. Et les autres, bah, vous me direz ce que vous pensez de ce dessin
Oh, sépia. Alors, en plus, ça fait bien pour la saraké, puisque la saraké, c'est des dessins qui sont très anciens. Donc, ça suit bien avec le thème de la saraké, je trouve. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. J'attends vos commentaires. J'attends de voir ce que vous en pensez. Et j'attends aussi de voir le commentaire de Ludovic qui m'a mis au défi de faire ce dessin. Et puis si vous avez envie de temps en temps de me mettre au défi de faire un dessin, enfin un coloriage, bon, pas tous en même temps, hein, s'il vous plaît, ou alors je le ferai de temps en temps, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si je vois que je peux le faire, ben je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.